Déjà 7h dans tout studio Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui, jeudi, si là, pour nous capables de porter pour vous toute information. C'est avant dernier sortie pour ce maintenant. Et déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur Télévision Nationale d'Haïti. Mais grand titre qui a dominé l'actualité, l'État haïtien a un chèque 100 000 gourdes à chaque famille qui perdit mon nom pendant l'opération. La police a mené dans le quartier Grand Ravine lundi 13 novembre passé. C'est commissaire gouvernement Port-au-Prince met à clamer au Namadame Yusan qui remet un chèque saillot dans non l'État haïtien. Et puis 34e assemblée parité Afrique Caraïbe Pacifique là qui déroulé dans le pays d'Haïti rivé nan boutlé hier mercredi 20 décembre là. C'était occasion pour parlementaires aborder plusieurs thématiques dans intérêt pays yo. Et puis mairie Croix-des-Bouquets a réalisé un ensemble travail dans commune cela pour capable river combattre bloquer ça et puis établir sécurité dans occasion fête Noël avec finissement année yo d'après magistrat Roni Collet. Et puis à l'étranger c'est jodiya catalan yo a voté pour capable choisir dirigeant yo après laisser frapper yo té gagné avec Madrid sous affaire indépendance région espagnole cela. Plus passé 5 500 000 Catalans t'a dû prendre chemin bio voiture matin là. C'est pour ça yo a quelques autres n'am gien pour capable porter pour dans journal là n'a pas de coup de pause pas déplacer. Merci pour fidélité ou attention. Nous retournons pour nous capables à développer toutes les informations. Rapidement, nous faut connaître plusieurs paysans bénéficient matériel agricole dans plein à la Tibonite pour rabourer la terre. Matériel ça yo pral la permettre paysans yo augmenter quantité terre yo te kon travaille pour faire du riz sans yo pas payer yon goud. Paysans remercie président République la Jovenel Moïse qui comprend l'importance agriculture pour le pays d'Haïti. Anne-Marguerite Augusta et Pierre-Henri Duvignoté sous place y a présenté nos reportages. Matériel sa yo pral faciliter paysans yo rabourer plus terre pour planter du riz. Yo salye intérêt yo dit président République la Jovenel Moïse manifesté en faveur yo. D'après yo, action président a posé dans quatre coins pays a montrer li kembe promesse li te kon fè nan campagne électorale li. Avec matériel sa yo, paysan yo ap kapab rabouré jardin yo sans yo pa payer yon goud. M'te gen plan pour m'te parti, ki plan m'te gen m'te parti, m'te gen plan m'te parti, ti tem de gen m'te vendi pou m'te chili, mais voici ça m'fè, c'est agriculture m'fè. Chaque grain parle ou te di, yo marché ensemble, yo fè effet nan kòm. Et ni pour madame moi ni pour petite moi jodi a moi soto merci et c'est ça ou commencer offrir nous mais journée jodi a bon dieu roi un prophète saute dans ciel la crélé Jovenel Moïse qui vient pour délivrer nous président Jovenel nous remet m'a chanter pour ça moi qui commencer fête là moi vle wè président Jovenel a mené quand yon héros sou Haïti président Jovenel pour bénir terre a qui on bagaille k'ap mené dans ciel en nous marcher. En nous avancer, avec président Jovenel, pays a développé. Peuple a tout prêt pour t'en nous. Paysans ont aimé, ils ont content, parce que ont eu un travail pour eux. Félicité président Jovenel, et par rapport avec tout Jeffol l'a fait, nous avons penché beaucoup de paysans. Et c'est paysans ça a eu le goût, mais plus pour lui. Car il y a des gens qui en ville tout, mais c'est paysans dans le milieu rural qui a le goût, mais vous et nous bataille ça nous que pas de faire en vain et moi pas regrette nous t'al font seul coup de clé journée jodia nous voyons gros coup de chapeau pour président Jovenel Jean commencé parti avec paysan n'a dit président ça faire pile attention pour que la Tibonite t'a tanni non ça n'a tanni sous canal tout nous gè des bagages pour nous dire n'a dit lui de près il faut lever pour mauvais gens qui pas gâter caravane nan amen parce que plein go naïve tout monde qui effondrer lui nous connaît tout monde qui cause pompe nous Jean nous connaît. Et je ne veux dire nous au chef toujours. Il y a beaucoup de gens qui vivent sous nous. Moi, tout le monde connaît, je ne veux pas dire du monde. Et ça fait l'emdal français, le coup de cœur, je ne veux pas faire nègre moi-même. Je fais depuis le président, je suis chef, moi-même, chef. Je suis chef pour me parler, vérité. Nous disons, président, gros merci. Parce que l'on a gardé la situation basse pleine, près de 8 ans, pleine ça, c'était Mestien Béni qui était levé là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de travail. C'est un gros défi. Nous, le président, vini.
Il vient, il commence à tête canal là. Nous, c'est le changement de caravane qui est censé arriver par bord ici. Il commence à tête canal là, il vient toute terre machinée pour commencer à planter, pour commencer à pleuver, toute terre machinée. Et nous sentons que l'agriculture va plus avancer. Président Jovenel, nous ne regrettons pas de photos, nous ne regrettons pas de moi-même d'aller bidon là. Parce que nous avons travaillé. Tant que paysan, moi-même, tant que planteur, moi-même, c'est là que nous travaillons pour me petit à l'école. Pour me joindre. L'aime travail moi une cob pour me petite l'école l'aime toute terre ça a été à terre sans travail comme ça c'était bon mon pile problème n'a demandé dans zone ça même qui besoin faire bloc production pour nos gros marché international pour vous c'est ça nous même nous t'a dit merci président Jovenel parce que nous ouais c'est ou coller moun à moun bloc à bloc et jodi à nous de visiter zone souvenance les tigo dans cadette parce que gitan gain bloc production parce que moun ça c'est aubergine au fait parce que nous même jodi à nous besoin bergine au vendre dans l'autre côté à partir toute décision chef l'état prend pour changer scamp figue pays a accompagnement paysan yo c'est un point important pour augmenter production agricole là ça qui pourra le permettre pays a gain plus manger qu'a permettre toute petite pays à joindre manger pour yo manger et puis faciliter jeune yo rete la caillou pour participer dans travail qu'a fait pour aider Haïti avancer plus devant. Jean noté dit li nan grand titre commissaire gouvernement Port-au-Prince met okna makla mesdames et messieurs remettre chèque 100 000 gourdes by famille moun ki te perdu proche pendant opération la police te fait nan quartier Grand Ravine nan date lundi 13 novembre passé. Chef paquet tribunal premier instance Port-au-Prince met okna makla mesdames et messieurs expliquer c'est l'état haïtien qui prend initiative si la pour capable accompagner par un victime yo yon façon pour capable organiser enterrement moun ki mouri yo. Yon l'autre côté commissaire gouvernement fait qu'on y a poursuivre enquête sous opération Sila. Maître Nam Klame dame yo sa tenamiko Saint Kwapaki ak Loro Dali Jean-Jacques. Moi gagné un total de 243 détenus qui en détention préventive prolongée que me pral gagner pour me permettre que rentrer la caillou. Bon tout font différence rapide. Pour me dire, me pas parler là de grâce présidentielle. Grâce présidentielle là, c'est moun qui condamné yo que moi-même y a travaillé sur yo sur rapport yo, une fois que communiqué mon rapport sur comportement et évolution moun yo dans prison, li ça après, li poko prêt, ça prêt qu'on y a. C'est en attendant même j'amte dit li c'est 243 moun qui me gagné que dossier étudié qui en détention préventive prolongée que moi-même m'a gagné pour me bailler chance dans prison. Notable suivre deux préférences en intervention commissaire gouvernement Port-au-Prince mettre Oknama clame dame Issa les mêmes qui annoncé hier paquet prend toute disposition pour capable libérer 243 moun qui fermé en dans pénitencier national. Chef paquet tribunal premier instance Port-au-Prince fait qu'on ait décision ça rentrer dans cadre démarche pour combattre détention préventive prolongée. Et puis dans la conférence pour la presse spéciale qui fait dans le ministère communication hier mercredi 20 décembre, ministre Affaires sociales et travail là, Stéphanie Auguste fait connaître yo résoudre crise qui gain pour ak dossier contractuel dans ministère ta fait face. Dans 4000 dossiers contractuels yo et yo joindre environ 2800 qui normal et pour kounya chèque yo pour payer contractuels yo déjà disponible dans ministère si là. Social le moi vini à la tête li le 14 septembre t'es déjà gagné crise contractuelle qui t'est existé c'est un héritage que gouvernement vient joindre par rapport à quantité contractuelle qui gagne dans ministère nous t'es vient joindre environ 4000 contractuels en dans ministère affaires sociales sous instruction premier ministre et son bagage c'est un dossier que président république la même excellence Jovenel Moïse t'a dit que faut que nous résoudre problème contractuel là après triage de tout dossier d'environ 4000 dossiers contractuels que nous t'a joindre nous vinn joindre des contractuels doublure ça veut dire pour un même NIF au cas joindre 2, 3 noms. Ça veut dire, on NIF par exemple 003, etc. Joint tout un pile contractuel inactif qui équivalent
à environ 2000 contractuels. Si on a dit contractuels doublure et inactifs, environ 2000. Inactifs, là, ça veut dire que c'est des contractuels, l'on regarde des contrats sans affectation. Irrégularité encore que nous joignons, gain plus que 600 contrats que nous joignons qui gain un pile problème. Soit problème NIF, soit problème signature. Nous joignons un pile contrat côté c'est des consultants ou des contractuels qui te gagnent des montants de plus de 150 000 gouttes. Avec travail ça, nous venons recevoir finalement dans le ministère des Finances 2882 contrats. Que à partir de hier, nous te joignons environ 2206 et après-midi encore, nous venons prendre chèque, merci. Et après-midi encore, nous prenons reste chèque que le ministère finance imprimé pour nous. Au total, nous gagnons 2882 chèques disponibles dans mes noms. Nous parlons maintenant dans le Parlement haïtien sur bicentenaire, commission spéciale au niveau Chambre des députés qui a travaillé sur amendement constitution pays rencontré hier mercredi 20 novembre avec membre Fédération nationale Kazek et puis avec Fédération nationale Azek d'Haïti dans cadre série consultation commission affaires pour joindre en position différents acteurs et secteurs dans la société sous problème qui gagne en dans maman loi pays. Président commission 1, député Jerry Tardieu, fait qu'on est commission 1 a gagné pour capable présenter rapport li by Assemblée députée en date 29 mars 2018 là. Fait de la confident à Moïse Joseph Rubic sous place en nous suivant extrait. Te recevoir Fédération nationale des Kazakhs et des Azek d'Haïti. Yo te fait déplacement avec ensemble président association Kazek au niveau des départements. Nous te content pile ouais tout Kazek, tout Azek qui te fait déplacement pour venir travailler, pour venir parler, pour venir discuter avec commission spéciale sur amendement constitution. Consultation nationale a avancé, hier nous te rencontré avec ancien premier ministre pays. Jodi a nous rencontrer avec Fédération Azek et Kazek PIA. Demain nous gagne organisation populaire et n'a continuer jusqu'au 31 décembre 2017. Après ça nous tout connaît gros rendez-vous c'est 29 mars 2018 constitution pour 31 ans et c'est dans date ça que commission pour remettre un premier rapport avant que le fond tournée nationale de validation justement auprès des communes pour nous descendre à terre pour que recommandation yo rapport li marié avec sa PIA dit nous n'est pas seulement connecté avec ça nous-mêmes nous penser dans la chambre des députés. Toujours dans le cadre de la rencontre, le président de la Commission Fédération Nationale Kazek, Paul André, et le président national Azek d'Haïti, Julio Adam, exprimer satisfaction pour Jean Brasseli de sa déroulé avec les membres de la Commission. Ils ont souhaité la Commission remettre un document qui reflète la position FENACA et la position FENASEC sous le problème de la Constitution. Nous avons extrait dans ça que l'été dynamique au fin de la confidence avec Moïse Rubic. Pour la Constitution 87 là, qui était rentrée section communale comme et conseil d'administration section communale qui jouit et pleine et qui t'a supposé jouir pleine et entière et pour administrer et gérer et pourtant et qui peut rentrer en application. Au contraire. Et nous toujours dit nous-mêmes qui sorti plus loin dans pays nous-mêmes qui sorti dans section communale yo et qui toujours respecter sa constitution dit mais pouvoir yo pas jamais respecter ça et journée jodi a opportunité que commission offre nous pour que nous vini faire passer point de vue nous faire et faire nous ressentir ou discuter qui ça qui recommandation nous gagnait et qui remarque nous fait sur constitution qui était fait amender et qui remarque nous fait sur constitution 87 là et qui recommandation tout et nous même nous soumettre by commission y ont une réflexion qui poko vraiment suffisante par rapport nous pour continuer travail pour que nous
remettre une aide mémoire qui est capable utile nation parce que nous avons expérience et nous capable et discuter et pour peuple là comme nous ses représentants et nous mêmes nous sont question de collectivité c'est pas question d'un seul homme et nous dit que peuple là nous pral tourner rejoindre yo nous pral rejoindre Kazek dans tout pays pour que yo même nous gagnions un document qui reflétait tout ça yo vle dit. Nous avons discuté avec eux autour de revendications nous yo et côté que jodi a fédération nationale là qui accompagne nous gagne 10 présidents qui avec nous nous continuer à demander que nous jouer rôle de participation nous jodi a assez que papier exigeant que ça c'est justement à demander que nous participer dans la vie politique pays a parce que nous remarquons que monsieur a fait marcher a fait fuite en avant pour mettre conseil électoral permanent or au regard de l'article 492, il est clairement dit qui est, comment pour le conseil électoral la monter. Et je dis à, et nous continuons à exiger tout que l'élection indirecte soit faite. Parce que leur pas mettre campé tout organe en deux collectivités à le ça, on va poser problème. Donc nous-mêmes, nous continuons à travers la discussion que nous avons fait avec la commission, garder pour nous comment nous avons exiger. Que autant de revendications. Et Jean député Tardieu Tabdia, nous pas c'est après que n'a élaboré et mémoire nous pour nous voyer par commission et chambre députée sur question amendement. N'a quitté Bissanen nous pour aller quoi des bouquets magistrat mairie quoi des bouquets Rony Colin dresser un bilan positif sur divers travail conseil a dirigé à réaliser en dans commune après yo fin installé. Magistrat est trop profité par les sous quelques projets mairie a réalisé à perspective que yo gagné. Richardson Jourdan et Michel Joseph a présenté nos comptes rendus. Dans cadre opération la vie figue quoi des bouquets gagnons ensemble travail qu'a réalisé dans commune là dans Kafoumarasa autorité municipale yo déjà aménagé un espace qui va permettre yo mettre un sous-commissariat à qui on place dans zone là et puis yo déjà l'ouvri route là yon façon pour diminuer blocus là dans Kafoumaré gain d'anneau ak totoa cap fait pour permettre machine au soit piéton circuler comme ça doit ak barrage cimetière marin qui déjà commencé. Travail ça yo cap réalisé dans commune Kwa de Bouquet d'après magistrat Rony Colin c'est pour résoudre problème embouteillage là ak table de sécurité dans commune là. Nous même tout nous bay contribution par nous après nous te fin discuté ensemble avec dicté IDH là nous tout profiter côté te gagne pile fatra la Kafoumara ça qui te gagne environ 25 ans nous level et ensuite gagne l'endo maquette là et avant pour pompe gasoline te gagne yon route qui était là moun yo te amusé yo construit en route là. Nous libérer route là pour nous comment nous capable réduire et blocus temps qui là Kafoumara ça. Là nous dit réduire blocus temps Kafoumara ça, je dis à nous te dit tête nous, je dis à 20 faut nous finir avec question blocus Kafoumara ça. Nous gain route qui passe là Doha et n'a fait environ 7 m 20 a gain l'a sorti tabac a gain deux voies qui sur route ça yo. Et les par exemple sorti tabac tout ou a gain le choix ou dit ou pour aller Santo ou capable passer n'a travail dans Santo 22 route qui pour voyo al tomber sur route li la voir et Santo 22 excusez après ça nous gagnons Kafou 25 là qui c'est Kafou Marasa si toutefois ou dit ou pral meilleur ou pral aller mi pour pral dans zone plateau central ou pas gain intérêt pour passer la mi temps ville là cap bay bloquis avec gros camion yo pour comment tout n'a travail dans cimetière Kafou Marien par rapport avec notre nous dévoilé dans la presse ça c'est déjà une preuve qui prouve vraiment nous-mêmes n'a travaillé dans commune Kwa de Bouquet et l'après de côté nous te promettre sur une question d'allo n'a travaillé en face Kafou Marien qui pour permettre les timoun pour l'école pour pas besoin retirer bail en pour traverser canal là nous déjà font d'allo pour permettre timoun sortir dehors pour aller prendre machine en face Kafou Marien Maïssaou Nicolas parlé d'un ensemble projet yo gain en perspective tant que l'école professionnelle ak formation pour jeunes dans commune Kwa de Bouquet ak asphaltage plusieurs routes ak barrage cimetière Kwa de Bouquet a avec support pouvoir central l'an 2018 là côté nous pral manger cimetière et Kwa de Bouquet a et nous gon paquet travail n'ap travail et puis encore nous gen pour nal asphalter 6 km et de route en dedans ville Kwa de Bouquet et côté nous commencer là nous pas camper et nous pas garder derrière nous voulons aller et juste pour nous capable bailler résultat avec population capitaine nous résultat là mais nous et n'a dit tout merci avec moun Kwa de Bouquet qui jodi a qui croit en nous même dans travail n'a fait à côté n'a pas grandi route.
avec le ministère de la République. Côté yo même yo entré mais yo mette mais yo dans patte là tout depuis nous fin écrit en côté ouais yo même avec propre volonté yo commencé écraser et nous mandé yo pour compter sur nous même tout nous compter sur yo et supporter nous pour nous aller vers l'avant pour nous capable changer quoi des bouquets là état qu'il y a aujourd'hui. Pour fin année 2017 là magistrat Nicolas fait connait gain divers travail cap fait dans commune là tant que plusieurs monde cap ba écoute main dans assainissement pour permettre aux jeunes tchotcho pendant période fête là de profiter encourager population pour payer taxes, une façon pour la mairie capable continuer travail dans l'intérêt population dans commune là. 34e assemblée parité Afrique Caraïbe et Pacifique là qui t'a déroulé pas bon ici dans pays d'Haïti rive dans boutli hier mercredi 20 décembre 2017 là. Pendant assise yo plusieurs pointé abordé ak parlementaire yo d'après député Price Cyprien qui se représentant ACP dans pays d'Haïti. Député Cyprien dit li satisfait sous façon assise yo déroulé pendant li fait connait bénéfice économique et politique yo ap en pile pour pays d'Haïti. Député Price Cyprien dynamico en semence ak Rémi Godji. Image que tout pays ont gagné de Haïti qui sont pays qui gagnent insécurité, qui sont pays qui sale, qui sont pays de catastrophes naturelles, de fatras, etc. Ils ont changé image là parce que ils ont pas pensé que ça a été attendé, ça a été ouais dans la télévision sur Haïti. Ils ont pensé que Haïti a été comme ça. Ils sont très contents et ces jours en Haïti et que ils pourraient vendre image d'Haïti autrement et la caillon avec gagné qui guettant dis-moi que ils retourner en Haïti parce que ils sont pays d'opportunité. Ils pourraient parler avec homme d'affaires en la caillou pour aussi à venir en Haïti pour faire commerce et avec Haïti. Sur le plan politique, je pense que la bien pile retombée politique, la bien pile ouverture politique qui est possible et pour gouvernement et pour parlement tout, parce que nous en contact avec des parlementaires à, là pour plus de 106 pays et à bien des retombées. Mais sur le plan économique, d'après les économistes, dépenses que délégation ça y a près de 430 personnes qui présentent en, environ 5 hôtels en Haïti et plus, dépenses que vous faites, ça capable de gagner des retombées économiques autour de 2,5 millions ou 3 millions de dollars pendant ces jours du 13 au 20 et gagner qu'a prêté un petit peu plus. Et c'est l'événement du siècle que nous gagnons en Haïti, du début du siècle. Et moi, j'étais quoi que au niveau du Parlement, il y a bien comprendre ça, il y a comprendre nécessité de diplomatie parlementaire là, que ce soit au niveau du Sénat ou de la Chambre des députés. Moi, j'étais quoi tout au niveau de l'exécutif, il y a comprendre que pays il n'y a pas qu'à arrêter, fermer sous les mêmes, il faut pays ouvert à d'autres pays, il faut nous capables de commercer avec les pays ACP, que ce soit les pays africains, de la Caraïbe et aussi du Pacifique, et tout en maintenant le cap sous pays du Nord, tout, parce que pas oublier que pays européens, c'est eux-mêmes qui pays capitalistes qui gagnent l'argent. Dans le dossier éducation, ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agenor Cadet réuni hier mercredi 20 décembre là dans un hôtel dans capitale là avec plusieurs employés ministère si là pour manger bois et puis partager soyeux dans occasion fin année 2017 là. Directeur ressources humaines dans ministère a profité expliquer tout difficulté y a rencontré dans cadre travail. Marie Jolie et Rémi Godjité sur place à nous suivre. Rencontre tête à tête ça entre employé et ministre éducation nationale Pierre Josué Agenor Cadet, t'es occasion pour brasser l'idée sur travail qu'a réalisé dans ministère ministre là, t'es profiter féliciter comportement employé yo et puis encourager yo travail pour ministère continuer bail plus résultat. Grand pile monde qui là qui gagne pile revendication. En pile revendication, ça c'est sûr. Notamment nous connaît dans l'état en Haïti salaire ou pas bon. Tout le monde compte ça. Et nous-mêmes, personnellement, en tant que ministre, comme dit chaque jour, dans tout conseil des ministres, je fais des interventions pour me poser des problèmes. Il y a quelqu'un qui commence à jouer une solution, notamment question enseignant, mais des questions personnelles administratives. Actuellement, ressources humaines travaillent sur question alignement pour tout employé. Qui est même niveau, dans le même poste là, pour ne pas gagner disparité de salaire. Bien que nous connaissons que le salaire que nous gagnons, ce n'est pas le salaire que nous avons gagné. Heureusement, je dis à la OMRH a fait effort, il y a une commission qui travaille
pour voir si on arrive avec une nouvelle grille de salaire. Et c'est une raison, une façon pour nous arriver à cadre. Et c'est ça qui fait dans l'État à tout, dans pile gros cadre, très souvent, nous arrivons perdus parce que l'État, jusqu'à présent, n'a pas arrivé à payer Jean pour le payer. Et très souvent, nous pensons pour nous faire des gestes, mais malheureusement, nous bloquons en sens ça. Tant que pour Anessa, nous sommes obligés de faire une discrimination quand même. Nous prenons les gens qui nous mangent, sorti dans un goutte pour 26 000 gouttes pour t'avoir un petit chocho, même pour acheter ton poule. Et nous demandons des excuses auprès de l'autre monde qui pas jeune. D'après ça, je prends un niveau finance et budget. Je fais me connaître d'ici semaine ça, tout bagaille capable déjà prêt pour ça. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est aujourd'hui, après-midi à l'heure, côté dans quelques jours, nous allons finir l'année. Et nous là ensemble pour nous fêter Jean Capable, pour nous fêter en tant que membre d'une même famille. Puisque mon temps était limité pour prendre la parole, je veux tout simplement adresser à toutes et à tous mes meilleurs voeux de fin d'année, tout en souhaitant à vous toutes et à vous tous prospérité, bonheur et santé. Plusieurs employés te recevoir plaque honneur et mérite pendant moment si là pour rendement yo bail dans cadre travail yo. N'a pas tourné dans parlement haïtien, yon groupe 5 députés qui gen la donné Sinal Bertrand, Jean-Robert Bossé, Joseph Manès lui, Prétend Belizer, à président ainsi écrit président Sénat République là Yuri Latortue pour mander camper sous processus choix 3 représentants pouvoir législatif là pour aller faire partie conseil électoral permanent. Parlementaire dit moment pas favorable. En nous suivant extrait dans micro fait dans confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Pour nous écrit président Sénat, mais nous parlons qu'il écrit en tant que président Sénat, nous écrit en tant que président de l'Assemblée nationale, qui a un rôle pour jouer dans le cadre de désignation des membres du conseil, des représentants du pouvoir législatif. Nous dit président, l'Assemblée nationale, là, politiquement et constitutionnellement, il n'y a pas de mise aujourd'hui hein, pour nous pencher sous question formation conseil électoral permanent. Et là, nous avons quitté Pabo ici, nous pouvons aller à l'étranger, nous avons dit dans grand titre, environ 5 500 000 Catalans prennent chimé bureau vote aujourd'hui là pour participer dans l'élection ville ça. Bataille a serré entre Silayo, Capman de l'indépendance et l'autre qui réclamait un seul Espagne. Euronews pour plus de détails. Les Catalans ont commencé à voter en cette nouvelle journée décisive pour la région. Des élections convoquées par le gouvernement espagnol 2 mois après la proclamation de l'indépendance qui avait conduit à la mise sous tutelle de la Catalogne. 5,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes et la participation s'annonce massive, même si un bon quart d'entre eux se disent indécis dans une région éreintée par des mois de crise. Le bloc des indépendantistes et celui des unionistes sont au coude à coude dans les sondages et les petits partis, notamment les socialistes catalans, espèrent jouer les faiseurs de roi. Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 20h. Euronews sera dès lors en direct pour vous donner les premières estimations. Mais il faudra attendre le dépouillement des 38 000 votes par correspondance pour connaître les résultats définitifs en début de semaine prochaine. N'a quitté le continent européen, n'a privé pas boire ici en Amérique, particulièrement dans le pays États-Unis, puisque après Conseil sécurité, c'est Assemblée générale des Nations Unies qui paraît là pour lui voter une résolution pour condamner décision pays États-Unis prend pour lui déclarer Jérusalem capitale Israël. Une initiative qui estomaque président américain Donald Trump qui menace tout pays qui t'a gagné malin voter en faveur résolution cela. Euronews pour plus de détails. Après le Conseil de sécurité, c'est au tour de l'Assemblée générale de l'ONU de voter une résolution qui condamne la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et la Maison-Blanche ne l'entend pas de cette oreille. Donald Trump s'est fait menaçant contre ceux qui adopteront le texte.
Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars. Et ensuite, ils votent contre nous. Nous les surveillons. Laissez-les voter contre nous. Nous économiserons beaucoup. En début de semaine, le Conseil de sécurité a approuvé la condamnation de la décision de Trump. Les États-Unis, isolés, ont dû faire usage de leur droit de veto de membres permanents pour empêcher la résolution de passer. L'ambassadrice américaine Nikki Haley avait vivement réagi, déclarant que ce vote était une insulte. Et sur Twitter, Trump avait déjà déclaré qu'il prendrait les noms de ceux qui voteraient en faveur de la condamnation ce jeudi à l'ONU. Les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en annonçant le déménagement prochain de son ambassade de Tel Aviv dans la ville sainte. Une annonce qui a suscité la colère des Palestiniens, mais qui pour l'heure n'a pas déclenché l'intifada souhaitée par le Hamas. Il est déjà 7h30, l'arrivée est le moment pour nous capables d'aller. Mais avant nous dire bye bye, permettez que nous rappelions au grand point qui dominait l'actualité. L'État haïtien a un chèque en 100 000 gouttes à chaque famille qui perdit proche pendant l'opération La Police terminée dans le quartier Grand Ravine lundi 13 novembre passé. C'est le commissaire gouvernement Port-au-Prince Maître Clamé Oknamada Meyus qui remet un chèque sa yo dans le nom de l'État haïtien. 34e Assemblée paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique là qui déroulait dans le pays d'Haïti rive dans Boutli hier mercredi 20 décembre. C'était occasion pour parlementaires aborder plusieurs thématiques qui dans intérêt pays yo. Et puis mairie Kouadé-Bouquet a réalisé yo ensemble travail dans commune là pour combattre blocus et établir sécurité dans occasion fête Noël là à finissement anéant d'après magistrat Roni Collet. Et puis à l'étranger, c'est jodi a Catalan yo a voté pour choisir dirigeant yo après laisser frapper yo te gagné ak Madrid sous affaire indépendance région espagnole si là. Plus passé 5 500 000 Catalans déjà après chemin bureau vote jeudi à là. Nous te contents ensemble avec vous pour te capable porter pour toute information ça yo. L'irrité seulement pour capable souhaiter passer un très bon jeudi sur le territoire national d'Haïti.